J'ai fait finalement le bac et ensuite la maîtrise. On était à la fois fascinés par ce que l'on découvrait comme savoir et en même temps déjà contestataires, même par rapport à certains profs. Bon, il y a des profs qui nous ennuyaient, qui trouvaient qu'on, des choses comme ça, qu'on contestait l'orientation. Même Zabou et la criminologie, il y a des étudiants qui disaient que la criminologie était au service des impérialismes et des dictatures. Quoi. Vous voyez un peu le contexte, surtout à partir du moment où il y aura ces groupuscules qui vont se développer, le structuro-marxisme qui va se répandre, et tout ça va changer un peu le climat. Il y a aussi la contestation étudiante, mai 68, et nous c'est en octobre 69 finalement qu'il y a occupation. Bon, j'ai participé à ça, donc la sociologie était au devant, donc on écrivait quelques manifestations. Je n'étais pas nécessairement très engagé, mais j'ai participé à ce mouvement, on écrivait quelques textes. Ça n'a pas eu... Bon, on demandait finalement, oui, une plus grande participation des étudiants. On demandait finalement une forme de co-gestion des programmes, création d'associations et de présence sur aux assemblées de département. Bon, peut-être. Et il y a aussi le mouvement nationaliste qui s'est développé. Il y avait l'association des étudiants, la GUM, qui était très, le quartier latin, qui était très, très actif. Tu trouvais là Landry, tu trouvais là plus vieux que moi, tu trouvais là Louis-Arel, qui était la même génération que peut-être un an de plus. Il y avait Denise Bombardier, qui était dans tout ce. Donc, le mouvement nationaliste a eu Québec français, protestation contre McGill. Donc, il y a la montée du nationalisme qui vient influencer. Et donc, tu vois, les gens de ma génération étaient emportés d'abord plus, nous, en sociologie, vers l'action sociale. On travaillait dans les milieux plus populaires. Certains de mes collègues s'installaient à Saint-Henri ou à Pointe-Saint-Charles. D'autres ont déjà milité à l'intérieur du syndicalisme. D'autres plus militants, plus radicaux, se joindront finalement tantôt à parti pris, tantôt même au FLQ. Donc, vous voyez un peu ces influences. C'est une effervescence politique qui était beaucoup plus forte, qui a pu amener, et qui a probablement amené des jeunes de ma génération à quitter l'université, à s'engager politiquement. Donc, c'est pour devenir finalement actif dans la Ligue communiste ou des choses comme ça. J'essaie de me rappeler La Forge, les journaux et tout ça. Donc, moi, j'étais plutôt un compagnon de route à ce moment-là. Peut-être quand je suis revenu de la France aussi. Ces mouvements-là étaient très actifs. Il y a des profs en anthropologie comme Bernier qui était là, Bocage qui était là. Donc, moi, je connaissais tous ces... C'est plutôt lorsque je suis revenu des études que ce mouvement-là était très fort, y compris à l'université. Donc, ça changeait un petit peu les orientations. Et on contestait et en même temps, bon, on poursuivait les études. Et donc, au niveau de la maîtrise, j'étais quand même beaucoup plus intéressé finalement par ce que faisait Rio, dont je suivais ses cours. Je lui ai demandé finalement de diriger mon mémoire de maîtrise à ce moment-là, d'autant plus que j'avais eu accès à des archives, finalement. Est-ce que c'était mon intérêt pour l'histoire ou c'était parce que j'ai travaillé avec Céline Saint-Pierre sur le syndicalisme dans les années 20-50, en allant à la bibliothèque du Parlement? Et au fond, c'est à deux reprises où mes travaux vont être déterminés par, au fond, des découvertes ou l'accès à à des archives. Donc, au niveau du mémoire, du maîtrise. Mais ce sera la même chose pour mon livre sur Marcel Mauss, auquel dont on parlera plus tard. Mais je vais aux archives de la bibliothèque. Je me demande si c'est la bibliothèque Bon Enfant, je pense. Et je tombe finalement sur... j'avais demandé finalement un journal ouvrier. Et je cherchais, évidemment, j'avais découvert finalement qu'il y avait un journal qui s'appelait Clarté,
qui était un journal du Parti communiste, et qu'elle pouvait être là. Et donc, le bibliothécaire, l'archiviste, va me chercher finalement un paquet de... tout enveloppé de papier jauni et tout ça, donc enroulé, tout ça comme ça. Et dans ça, il y avait La Vie ouvrière que je cherchais. Il y avait un journal fasciste qui était là. Et il y avait Clarté, qui était le journal, finalement, du francophone du Parti communiste du Canada. Et donc, tout de suite, personne n'avait entendu parler, ne connaissait finalement que ce journal-là. On avait l'ensemble de la collection. Et je demande finalement de... À ce moment-là, on faisait des microfilms. La Bibliothèque de l'Université de Montréal, bon, on fait microfilmer, transporter ça à l'Université de Montréal. Et donc, on a dit, voilà un matériel, des matériaux très riches. Saint-Pierre a dit, tu devrais faire ton mémoire... on appelait ça la thèse sur le mouvement. Et donc, Rioux, finalement, accepte de... Et va voir le doyen en disant, bon, j'ai un étudiant qui est brillant et qui veut faire un mémoire sur ma direction. Et Rioux avait obtenu un petit fonds de recherche pour me payer pendant l'été, mais un peu pendant l'année où je devenais un peu son assistant de recherche. Mais Rieu avait au moins cette qualité. Les assistants de recherche faisaient ce qu'ils voulaient. Quoi. Et donc, ils savaient que je travaillais sur ça. Et donc, et trouvant, disons, ce journal, je me suis dit, bon, il faut en faire à la fois une étude du journal et une étude, bon, des idéologies. Bon, c'est le temps où on étudiait les idéologies à travers l'analyse de contenu et même... j'apprendrai finalement quand je voudrais faire mon doctorat que Fernand Dumont faisait une étude des idéologies. Donc il y avait un séminaire portant sur l'étude des idéologies. J'avais fait même une présentation sur le journal Clarté. Donc on s'intéressait aux idéologies et je me suis intéressé finalement au mouvement communiste de par son action aussi très forte dans le syndicalisme. Et je me suis dit comment étudier finalement ce mouvement-là si ce n'est en rencontrant d'anciens militants. Et donc, je fais un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'histoire orale à la recherche finalement de ces militants. Donc, les plus connus étaient Stanley B. Ryerson, qui était un intellectuel du parti, mais il y avait les gens qui étaient des ouvriers et qui avaient été... un des personnages finalement importants de ce mouvement-là au Québec, c'était le leader du parti politique qui sera élu dans les années 45, 50, dans les années de la guerre, 40, 50, au Parlement d'Ottawa, là, au Chambre de communes, là, qui est Fred Rose. Et donc, je ne l'ai pas interviewé à ce moment-là parce qu'il était fait de la prison après la guerre. C'est l'affaire Gouzenko, accusé d'espionnage. Il était retourné, finalement, dans son pays, qui était la Pologne. Il était juif polonais, il était retourné là-bas. Je ferai une entrevue avec lui, mais une fois que mon livre sera publié, dans les années 85-86, j'étais content de voir une personne que je n'avais pas interviewée. Mais j'avais, au fond, interviewé une bonne vingtaine d'anciens militants, des hommes et des femmes. Et je découvrais quand même, c'est le premier, je me sentais aussi, quand j'allais les interviewer, eux étaient tous heureux d'être redécouverts. Et en même temps, puisque j'étais un universitaire, un jeune intellectuel, ils souhaitaient finalement que je reprenne le flambeau. C'est comme si je devais être celui qui poursuivrait la cause. Je ne me suis jamais senti appelé comme tel, mais tu sentais, disons, cet appel. Je n'ai jamais répondu à l'appel. Je ne me sentais pas de cette vocation. Donc, le communisme ne me disait pas grand-chose comme mouvement. J'étais plutôt critique à l'égard du Parti communiste. Et à ce moment-là, ce qu'ils avaient fait en Hongrie, ce qu'ils avaient fait en Tchécoslovaquie, j'avais plutôt cette position critique face au mouvement. Mais... j'ai découvert, je pense, des archives. J'avais découvert, au fond, à travers l'histoire orale, au fond, une méthodologie d'accès à une documentation. Et donc, j'ai fait on faisait des gros mémoires, des grosses thèses qui étaient volumineuses, quoi, avec une partie analyse de contenu, étude du contexte politique. Et j'avais intitulé ça « Communisme et anticommunisme » parce que je voulais mettre le contexte. Qui était un contexte d'anticommunisme très fort. Et la question, c'est comment était-il... La question que je me posais, c'était comment était-il possible
de devenir communiste à cette période-là. Bon, peut-être que je me posais cette question des convictions aussi, politiques et autres. J'avais toujours en tête vraiment, cette idée mais de faire un roman. J'avais intitulé dans ma tête « Un jeune homme sans conviction ». Je me suis toujours dit, bon, comment est-il possible finalement d'adhérer si fortement à des convictions qu'elles peuvent transformer finalement des... Je me souviens d'avoir eu des discussions avec un ami qui, lui, n'était pas nécessairement un jeune homme engagé, mais qui disait, bon, j'aimerais, moi, pouvoir me séparer de ma copine sur des questions de conviction. Tu partages tel point de vue, je ne partage pas tel point de vue politique, que ce soit fédéraliste, nationaliste, que ce soit socialiste ou libéralisme. Je voudrais pouvoir, moi j'aimerais bien pouvoir rompre sur des questions de conviction. Moi, je n'avais pas cette idée finalement. Je disais, au fond, on est toujours dans des convictions, mais toujours à distance, y compris ceux qui ont des convictions, toujours cette distance réflexive par rapport à des convictions. Et moi, je défendais toujours ce point de vue de distance réflexive. Peut-être est-ce que c'était un refus de l'action comme tel. Mais déjà, à ce moment-là, au niveau de la maîtrise, je participais à la revue Socialisme que je lisais quand j'étais au collège, qui s'appelait 64, qui s'appellera ensuite Socialisme québécois. Donc, c'est Rio Defni qui l'avait fondé, mais il y a Céline Saint-Pierre qui en prend... Il y a Michel Van Skandel qui est un littéraire. Bon, il y a une autre génération qui prend... Et un des premiers textes que j'ai écrit dans « Socialisme québécois », c'est à partir de mon mémoire de maîtrise sur les militants francophones du Parti communiste, donc, ou l'idéologie de, je ne me souviens pas du titre, mais c'est publié. Donc, premier texte scientifique, dans une certaine mesure, que j'ai publié, était dans la revue « Socialisme », qui est quand même une forme de reconnaissance, à la fois parce que tu publies un texte, c'est une partie des universitaires, des collègues ou des jeunes. Et donc, j'avais cet intérêt. Mais par ailleurs, on avait un autre intérêt qui était comme étudiant. On avait quand même ces engagements sociaux, politiques, mais on avait aussi des engagements que je dirais intellectuels, les plus scientifiques ou théoriques, avec un certain nombre avec des amis, petits groupes d'amis, de collègues, d'étudiants à l'université au niveau de la maîtrise. On a créé une revue. Qu'on a appelé finalement anthropolitique. Tu vois, le mot anthropologie n'était pas loin, mais c'était à partir d'un ouvrage d'Edgar Morin. Edgar Morin était venu à Montréal. Et avec qui on l'avait eu comme prof à la maîtrise. Donc c'était des universitaires européens, sociologues, anthropologues venaient. On avait eu aussi Alain Touraine, qui nous avait donné un cours et qui. Céline Saint-Pierre travaillait avec Alain Touraine, donc je me souviens d'avoir préparé pendant un été, pendant que j'étais assistant de Céline Saint-Pierre, on se préparait pour le séminaire de Touraine, que Touraine allait donner à l'automne, et on lisait un chapitre par semaine. L'été, c'est un peu chaud à Montréal, plus humide. On lisait un chapitre, disons, de la sociologie de l'action. Et, le séminaire de Touraine avait été quand même un grand événement, et j'avais... Je me souviens avoir eu... c'était Céline Saint-Pierre qui était assistante de Touraine. Et on avait tous eu des notes de A+. Il y avait Edgar Morin qui était venu aussi. Il y avait sa femme, qui était Violette Morin, qui était venue. Un semestre, lui, était venu. Donc, il nous avait beaucoup fasciné, intéressé. Il venait de publier un livre pour une anthropolitique. Et donc, on a appelé ça anthropolitique. C'était un ouvrage... une revue théorique. Je me souviens d'avoir écrit à ce moment-là un premier essai théorique sur l'idéologie. Il devait y avoir un deuxième volet. Le premier, j'analysais plus ce qui s'était fait, ce qui se faisait à ce moment-là. Le deuxième était plutôt de trouver des nouvelles voies et tout ça. Bon, l'autre numéro n'est pas paru. On a publié deux numéros. Et ensuite, bon, on s'est dispersé pour des études supérieures, des études de doctorat. Les uns en France, les autres ailleurs. Donc, mais il existe deux exemplaires de cette revue anthropolitique qui était renéotypée. Mais je pense que ça avait aussi impressionné beaucoup les professeurs qui devaient se dire, mais c'est qui ce groupe de jeunes étudiants à la maîtrise qui ont la prétention de créer une revue et d'avoir aussi des ambitions proprement théoriques. Donc,
discutait de la société post-industrielle, et tout ça. Donc, il y avait quand même un niveau assez élevé de réflexion. Je pense qu'on a dû, finalement, les énerver aussi en même temps. Souvent, les professeurs, face à des jeunes étudiants, ils peuvent à la fois les admirer et les appuyer, et en plus, ils peuvent en être énervés et les détester, quoi, en disant, bon, ils vont devoir faire leur thèse, et après, on verra bien qu'est-ce qu'ils sont capables de faire au plan de la carrière. Donc, mais il y avait quand même cet intérêt que j'avais pour la publication, pour la réflexion, y compris au niveau théorique. Et Rioux, finalement, avait été directeur, en me disant, bon, tu es relativement libre aussi, très libre dans les orientations. Il était très intéressé par me donner possibilité d'avoir un financement. Et il était même question, à ce moment-là, de faire un enregistrement de qualité radiophonique pour que ça puisse être utilisé ensuite pour des émissions. Donc, pas eu lieu, mais c'est une possibilité. Il faudra peut-être que je réutilise ces matériaux-là. Aujourd'hui, je ne suis pas revenu, finalement, à ces matériaux, sauf... Et Rioux, finalement, nous intéressait pour deux choses. Moi, je m'intéressais comme anthropologue, ses travaux sur les petites communautés, sur l'île verte, sur... ce qu'il a fait en Gaspésie. Il y avait aussi son beau-père qui était Marius Barbeau, qui avait travaillé. Donc, je m'intéressais beaucoup à tout ce qu'avait fait Rioux, son beau-père, sur les Amérindiens, sur les travaux aussi que les Américains faisaient à ce moment-là, le Bras sur le Potlatch, Marius Barbeau sur le Potlatch, les travaux qu'il avait fait ensuite sur les Amérindiens, bon, un peu moins. Parce que je m'intéressais plus au débat aussi théorique que les textes que Rioux écrivait à ce moment-là, sur, au fond, la notion de... comment on appelait cette notion de... qu'on trouvait en anthropologie dans l'école de Chicago, qui renvoyait un peu à la culture traditionnelle, « folk society ». Donc, tout ce débat entre « folk society » et « urban society » de Redfield. Donc, on disait ça avec intérêt. Rioux est intervenu dans ce débat en disant, bon, « folk » ne s'applique pas au Québec, ce serait plutôt « paysan society ». Donc, ça, ces débats-là m'intéressaient beaucoup. Et je m'étais intéressé aussi à la notion de, par après, disons, de « culture du pauvre ». Lewis, si je ne me trompe pas. Et mon deuxième texte que j'avais écrit dans Anthropolitique portait sur ces notions de culture du pauvre, de folk society, d'identification comme ça de collectivité par la notion de culture, de société en changement. Donc, je m'étais, tu vois, sur le Québec, beaucoup intéressé à ce débat, vu du point de vue aussi des anthropologues. Et ça, c'est Rioux qui m'introduisait à ça. Rioux avait un autre intérêt pour nous, c'était, bon, il donnait des cours sur le marxisme. Donc, il nous a fait découvrir déjà Gurvitch, qui n'était pas un marxiste, mais qui avait travaillé sur les classes sociales et tout ça, et que Rioux avait rencontré en France en tant que tel. Et ensuite, bon, c'est lui qui donnait le cours sur le marxisme. On disait, bon, après coup, on dira c'est le marxisme humaniste, c'est le marxisme de l'aliénation, c'est le jeune Marx. C'est pas celui du capital. Donc, c'est pour ça que la génération qui viendra après, qui étaient des gens comme Pizarro, qui était un Espagnol qui était étudiant à l'Université de Montréal, qui va enseigner ensuite à l'Université du Québec à Montréal, eux défendaient finalement le point de vue du marxisme scientifique, celui d'Althusser. Et tout ça, Rioux était plutôt distant par rapport à ça. Tu sentais qu'il était moins à l'aise avec ça. Et il avait par ailleurs quand même créé une subvention, lui qui demandait pas de subvention finalement en tant que tel. Toute documentation bureaucratique l'ennuyait. Faire un CV, ça l'emmerdait. Faire une demande, même il faisait des demandes de promotion, ça l'énervait. Mais faire des demandes de subvention et tout ça, il disait bon. Mais il y avait des artistes de cette génération qui disaient bon, le Conseil des arts, à la limite, pourquoi qu'on doit participer à faire des demandes de. Si on est des artistes de qualité et connus, reconnus, on devrait nous offrir des bourses d'artistes. Et c'est la même chose, Rioux dit, je suis un sociologue. Effectivement, c'était le ministère de la Santé qui était venu le voir à un moment donné pour offrir à Rioux de faire une recherche. Et Rioux s'était associé à ce moment-là à Robert Sévigny pour faire une recherche dont le titre était peut-être un peu énigmatique, trop long, s'appelait « Aliénation et idéologie dans la vie quotidienne des Montréalais francophones ».
Donc, voilà. Moi, j'étais à ce moment-là assistant de rue après avoir fait mon mémoire. J'ai eu une année où j'ai dit, bon, je ne demanderai pas tout de suite. J'étais marié, j'avais un jeune enfant, donc. Et j'avais dit, bon, je vais travailler comme assistant de recherche. Et Ryu m'avait engagé comme assistant de recherche, entre autres sur le fonds d'université, au salaire de 7 500 $ par année, à cette époque-là. Et avec, après 8 500, bon, peut-être 10 000, mais avec ensuite participation à cette équipe de recherche, qui réunissait à la fois des gens en psychologie sociale, des sociologues et des anthropologues. Donc, il y avait Micheline Labelle, qui était du département d'anthropologie, qui participait à cette recherche-là, parce qu'il était question de faire un peu des études de quartier. Et donc, il y avait 5 quartiers de Montréal, y compris une banlieue de Montréal, Brossard, qui était l'objet de cette étude-là, qui était une étude assez, tantôt qualitative, tantôt quantitative. Bon, ça n'a peut-être pas donné nécessairement les résultats qu'on escomptait. Il n'y a pas eu véritablement d'ouvrages, des rapports qui ont été publiés en 2 volumes auprès de l'Université de Montréal, mais pas font plus renéotypé que véritable ouvrage. Je ne sais pas pourquoi. Il devait se dire, c'est plutôt une collection d'articles, entre autres de chacun des chercheurs. Moi, j'avais un rapport qui portait sur la ville et qui a été publié dans le premier ou le deuxième volume. Mais Ryu a continué à travailler sur la notion d'aliénation et d'idéologie. C'était 2 perspectives tout à fait différentes, une qui était plutôt marxiste et l'autre qui était plutôt psychosociologique, le sentiment d'aliénation. Et nous, on critiquait la perspective psychosociologique de Sévigné. Bon, voyez. Et donc, c'est quand même... et Ryu nous intéressait aussi par le fait qu'en plus de donner son cours sur le marxisme, nous, la maîtrise, donnait un cours sur la théorie critique. Et il préparait son ouvrage sur la sociologie critique. Et on avait un double rapport à Ryu. Bon, comme ça, on a par rapport à nos profs, on trouvait que ses cours étaient un petit peu désordonnés, qu'il improvisait beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Et de tout ça, on aimait bien en même temps, on se disait, bon, on doit avoir quelque chose de plus systématique, quoi, comme enseignement. C'est la même chose sur le marxisme. On dit, bon, pourquoi il ne va pas sur le capital? Il ne nous enseigne pas le capital comme un économiste le ferait en économie politique. Donc, il y avait toujours une certaine insatisfaction et fascination par rapport à Ryu, sa théorie critique. Il parvenait. Donc, c'était quelqu'un qui nous invitait à découvrir des auteurs. Par des auteurs qu'il avait lu, parce qu'il lisait beaucoup, ou qu'il connaissait, par exemple, Grand Morin, Castoriadis, qui était venu au Québec, qu'il avait invité. Donc, il y avait tout un ensemble d'influences qui se faisaient par, au fond, son intermédiaire. Donc, c'était quelqu'un qui te disait, bon, il faut lire telle ou telle chose. Et sur les questions, autant, je pense avoir été influencé par lui, à la fois par, au fond, cet intérêt pour le concret, un homme d'anecdotes, un homme d'histoire, et qui avait un grand sens d'observation, et par cette capacité, finalement, aussi de réflexion théorique. Donc, il y avait un peu ces deux éléments, finalement, qui me fascinaient chez Ryu. Donc, je me posais finalement la question, j'avais fait venir mon mémoire de maîtrise, j'étais assistant de recherche, je voulais poursuivre un doctorat. On nous disait changer de département. C'était un peu l'idée un peu nord-américaine. On ne fait pas un doctorat dans sa même, après avoir une maîtrise dans la même institution. Souvent, dans certains cas, on vous choisissait, on vous appelait, quoi, au sens de l'appel de Dieu presque, en disant, bon, vous allez faire votre doctorat dans telle institution universitaire. Certains, par exemple, ou aux États-Unis. Dans ma génération, quelqu'un comme Paul Bernard ira aux États-Unis, à part de l'Université au Columbia, j'essaie de me rappeler. Marc Renault, qui était plus jeune, ira à Michigan. Et donc, tu vois, Céline Saint-Pierre, elle voulait que j'aille, moi, à Columbia Université, continuer à travailler sur le communisme.
j'ai travaillé sur l'URSS, ça voulait que je fasse une sociologie politique. L'URSS, ça ne m'a pas beaucoup intéressé en tant que tel. Et j'avais commencé à suivre des cours de Dumont. Donc, Dumont était un grand pédagogue. Des gens qui pouvaient, finalement, avec ses notes et une façon d'exposer, qui, oui, on était complètement fascinés par Dumont. Je trouvais finalement que sa pensée forte, originale. Et donc, je m'étais dit, bon, je ferai une thèse de doctorat sur, à ce moment-là, sur... Je m'étais peut-être par le mémoire intéressé à l'histoire et à l'histoire de la sociologie. Je dirais, j'aimerais bien faire quelque chose sur la naissance de la sociologie aux États-Unis, au 19e, début du 20e. Donc, ça intéressait beaucoup Dumont de me diriger dans ça. Et donc, finalement, je me suis dit, j'ai découvert les travaux de Bourdieu un peu par hasard, dans le cadre d'un voyage en France, par l'agence, comment ça s'appelle, la jeunesse franco-québécoise, l'agence de coopération franco-québécoise pour la jeunesse. Et nous, comme étudiants à la maîtrise, on avait terminé notre maîtrise, ils nous avaient demandé finalement de faire des documents de préparation pour des étudiants français qui finiraient aussi au Québec, dans toutes les régions. Donc, on avait préparé la documentation nécessaire pour offrir aux étudiants qui viendraient. Et en échange, on nous donnait, nous, permettait de faire un voyage, tout le groupe, en France, en allant où on voulait. Bon, on voulait un trajectoire, un parcours, et de suggérer des noms. Donc, on avait du bon Paris, il y avait le Festival d'Avignon, il y avait Grenoble, il y avait Marseille, bon... on avait dit, bon, un certain nombre de chercheurs, et j'avais dit, bon, Bourdieu. Et Bourdieu nous avait reçus en groupe, et j'avais une très bonne discussion. Et il faisait ses travaux sur théorie de la pratique. Il dit, je vais faire une théorie de la pratique, tout ça, ça me fascinait. Bon, j'avais discuté, puis j'ai dit, bon, moi, je connaissais un peu ses travaux. J'ai dit, bon, j'aimerais bien faire mon doctorat. Il dit, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez votre... demande et j'approuverai, je regarderai. Bon, j'avais fait un premier projet à partir des travaux de Rioux là, sur l'aliénation idéologique dans la vie quotidienne. Ça ne l'a pas intéressé. Puis là, donc, il a dit, il faudrait plutôt quelque chose sur... vous avez un intérêt pour le développement des sciences sociales, du système universitaire. Bon, tu fais quelque chose sur le Québec, sur le développement du système universitaire et en donnant peut-être une grande importance... ce qu'on appelait l'institutionnalisation des sciences sociales. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, bon, j'ai pris la décision, finalement, de faire mon doctorat, de faire une demande de bourse, c'est le Conseil des arts du Canada à ce moment-là, et d'avoir aussi une bourse française, et d'aller vivre en France à ce moment-là, 3 ans, je crois, dans un milieu intellectuel nouveau, fascinant, et qui était aussi déterminant, je pense, au plan de ma... carrière universitaire, sans oublier finalement quand même l'importance que Montréal a eue, l'importance aussi que Dumont a eue. Et j'ai gardé finalement pour ces deux institutions-là une véritable, fidélité à ces deux institutions. Même si j'étais critique par rapport à l'un ou l'autre, même si j'ai toujours considéré finalement que ces deux expériences, ces deux institutions-là, a été un enrichissement. Je retrouverai dans une certaine mesure l'école de Laval quand je ferai finalement ma thèse de doctorat sous la direction de Pierre Bourdieu et réalisant à ce moment-là aussi des entrevues avec, au fond, cette première génération de pionniers en sciences sociales. Ont créé finalement cette belle école de Laval, contestée, heureusement contestée par le département de sociologie à l'Université de Montréal, donc la querelle Québec-Montréal, quelque chose que j'ai vécu et je pense dont j'ai pu tirer dans une certaine mesure profit, quoi.